Ce jour-là, il n'y avait presque pas de soleil. Pourtant, en découvrant leur chambre à l'INF Clairefontaine, ils ont tous été éblouis. À 13 ans, sélectionnés parmi 600 candidats, ils viennent d'intégrer le plus prestigieux sport étude du football français. Pour les meilleurs d'entre eux, la formation va durer 3 ans. On dit d'eux qu'ils sont la crème des crèmes, la relève du ballon rond hexagonal. Et c'est vrai qu'ils ont bien l'intention de devenir des idoles. En attendant, ils ont déjà fait la connaissance de Monsieur Dussault, l'incontournable gardien du Temple. Dribbler sur des terrains lisses comme des billards. Et même toucher des bleus, des vrais, en chair et en os. Tourner vers les bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts, au talent hors norme, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance. Comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Les centres de formation bergent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul. Tu seras peut-être pro d'ici peu ou successeur Zidane si t'es pas trop dissipé. Car même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. Tu représentes. C'est les tiens que tu représentes. Je fais le tour de... Vous ne partez pas, je fais le tour des chambres. Et tant qu'elles ne sont pas rangées, vous restez là. Bonsoir. Bonsoir. Tu les as vues, les gens? Hein? Les quoi? Les chambres. Non, je ne les ai pas vues, tu vas me montrer là. Comment ils sont bien? Je sais pas. Ils sont trop bien. C'est vendredi soir. Comme chaque veille de week-end, les parents viennent chercher leurs enfants pour les ramener à la maison. Après une longue semaine de séparation, les mamans retrouvent enfin leurs chers petits et découvrent les installations luxueuses de l'internat. C'est bien, ouais. Oh là là, c'est chouette. Et toi, la puce. Bonsoir, monsieur. Oui, bah, tu peux ranger un peu la couverture, là, regarde. Et puis ce lit, là, il n'est pas très, très... Il y a pas la couverture, bah, tu la plies un peu mieux. Par contre, si tu commences comme ça, comment tu vas finir? Et si je veux, comme ça, tu gardes ton petit affaire, avec tes clés. Bon, ton cartable. Ça va, Nicole? Oui. Bon, tu peux partir, hein. Pendant que les pensionnaires rentrent dans leur famille, les Bleus investissent Clairefontaine pour préparer le match France-Islande. Ce soir, la famille d'Athem rencontre Patrick Vira. Ça va? Ça va bien? Ça va, c'est votre fils alors? Oui, c'est mon fils, c'est lui. Ouais. Ça va bien, oui. Très bien, merci. Oui, c'est mieux. Hein. Le vendredi soir, c'est aussi l'occasion pour les recruteurs de club de faire une petite opération séduction auprès des premières années. Et s'ils sont là, ce n'est pas un hasard. Pour récolter la graine de champion, il faut aller là où elle pousse. Là, ce sont les recruteurs de Cannes. Ils sont venus spécialement pour Athem. Bonjour, madame. Ça va bien? C'est la vue. On connaît, oui. Ouais, bah ouais. Ça bien. Alors, comment ça se passe? On a fait les vues, on a vu. Ça va? Ouais. Pas trop dur? Non. Non? La fin de la semaine peut-être un petit peu plus dur. Ouais. Hein, ouais. T'es content de rentrer à la maison? Bah oui. Mais là, t'en voudrais dire quand même. Eh ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a des recruteurs mieux que des autres, car il y en a, ils viennent souvent te voir et des fois, ça m'énerve car moi, j'ai pas envie de penser à tout ça. J'ai envie de penser qu'au football. Je préfère quand ils contactent mes parents. Vous avez fait quoi dans vos derniers résultats? On a gagné, on a fait deux matchs, on a gagné les deux. T'as marqué? On a marqué trois buts, j'ai fait trois passes décisives. Si je l'ai, je l'ai. Si je l'ai, je l'ai. 7 mars. Donc il va falloir mettre un peu de finition dans ton jeu. Tu plantes, que tu fasses planter, c'est bien aussi. Et il y a des clubs aussi, ils veulent que pour leur intérêt que je vienne, pour que plus tard je joue avec eux. Et moi, des fois, ça m'agace quand ils disent ça et tout. Et moi, j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. De toute façon, le soir... Dès que je fais des réservations, je t'appelle... Ouais, tranquille. Bon, au revoir. Je connais tout le monde. Hein.
Grâce à Hatem, je connais tous les recruteurs. Je dis rien à Hatem maintenant. Je dis rien. Il y a Clairefontaine, de lundi jusqu'à vendredi. Ça se passe ici toute la semaine. Bon, il ne sait rien, lui. Mais lui, il joue, c'est tout. Il ne sait rien. C'est comment ton école? À Clairefontaine? Ouais. C'est bien. C'est une école de foot. Hein. Et c'est quand ta football? Ah, tu sais, je vais à 8h à l'école. Mmh. Après, je reviens à 15h. Et après, à 15h30, eh ben, on joue au foot, on reste 2h. Après, tu sais, on s'amuse, on joue au billard et tout. Ah ouais? Ouais. Tu restes là-bas combien de temps? Franchement. Je vais rester là-bas 3 ans. 3 ans? Ouais, 3 ans. Ils jouent bien les autres là-bas? Bah oui. C'est l'institut du football. Là. Non, mais non, non. Tu vas jouer, c'est bon. Tu vas jouer pas? Ouais, tu vas jouer. Hatem est un surdoué. À 12 ans, c'est le plus jeune pensionnaire de l'INF et la star de sa cité à Châtenay-Malabry. Véritable petit prodige sur le terrain, Hatem est déjà courtisé par de nombreux clubs. Il fait la fierté de ses parents. Son père est un ancien footballeur professionnel. Autrefois, il appartenait à l'équipe nationale de Tunisie. Hatem, c'est un don pour lui, le foot. Il a connu le foot trop jeune. Et puis, raison de plus, il fait ça, je sais, c'est pas pour un but qu'il soit, je sais pas, un très grand joueur. S'il fera ça, c'est bien. C'est, je suis contente pour lui, je suis maman. S'il a des pensées secondaires dans sa tête, je suis très contente, on n'a jamais discuté pour ça. Mais pour lui, il joue le foot, le terrain, et il aime le foot, c'est tout. T'es parti avec un an d'avance à Clairefontaine? Ouais. Ah, t'es le plus jeune alors? Ouais. Et ça te manque pas la famille? Si, si, ça me manque quand même. Ça manque? Ouais, mais maintenant je suis adapté quand même. Je t'entraîne une fois par jour en fait. Ouais. En fait, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, que le ballon. Et vendredi, moitié ballon et moitié vitesse. Mais c'est beaucoup le ballon, parce qu'on est jeune. C'est un centre de préformation, c'est bien. C'est pas trop physique pour l'instant. Non, puisque c'est la technique là-bas, Clairefontaine. Ah ouais? Ouais. Parce que ce soir, il y a Francis Land à la télé. Régulièrement, Hatem ramène à la maison ses grands frères de la cité pour regarder les matchs de l'équipe de France. C'est qui ça? C'est qui ça? Pires. Chez les Ben Arfa, le foot, c'est une affaire de famille. C'est bien, Oui, Zidane. Un beau gosse, il joue bien. J'aime bien les gosses. Allez, vas-y. Bien. Tura. Ouais, Vira. Vira, oh, qu'est-ce qu'il est super gentil, lui. Vira, ouais, il est trop gentil. Il a appelé Hatem hier, il a dit, c'est toi Hatem et tout, il a parlé avec lui. Et puis... Mon copain. Oh, oh bien joué. Ouais. Oh, ouais. Oh, oui. Ouais. C'est qui? Zidane. C'est votre Sogo. C'est pas Zidane, c'est pas. Ah oui, 1-0. T'as eu le centre aussi de Djorkaeff? Pour moi, il va perdre 3-0. C'est quoi ça, un truc de Brésil là? Lequel? Ah mais ça c'est... C'est un t-shirt. Je l'ai gagné. C'est un t-shirt ça. Ouais. Ronaldo, tu te l'as donné. C'est Djorkaeff. Ça c'est le maillot du Bled ça. Espérance. C'est le meilleur club au Bled. Ça c'est le meilleur club au Bled. Ça c'est ma coupe où j'ai gagné dans un tournoi. Bien. Et ouais. Bien, et ça c'est moi. C'est mon trophée dans un tournoi de meilleurs joueurs. Zidane, tu le vois des fois? Bah oui. Tu parles avec quoi? Non. C'est une star maintenant. On fait des signatures et puis oui, c'est tout. Toi aussi tu vas signer bientôt, t'inquiète. J'espère. Il n'y a pas d'école spécifique à l'intérieur de l'INF. Les apprentis crampons suivent donc une scolarité classique au collège des Essarts-le-Roi. Mais les problèmes de jalousie et de rivalité n'aident pas les pensionnaires à se concentrer sur leur travail. Cependant, il est impératif de réussir ses études si l'on ne veut pas risquer un jour de se retrouver sur le carreau. D'où la nécessité d'organiser des cours de rattrapage au sein même de la structure. C'est Madame Dussault qui s'en charge. Qu'est-ce que tu as écrit? Hatem, Nadim et Gara y assistent tous les mercredis. Qu'est-ce que ça veut dire TOUT? Quand on dit tout le monde, c'est TOUT, toute la famille. Ensuite, étourderie. Comment ça s'écrit étourderie? Étourderie, ça s'écrit avec
E-T-O-U-R-D-E-R-I-S. Pourquoi tu mettrais un S? Parce que c'est écrit les étourderies. Oui, mais avant, qu'est-ce qu'il faut? Bon. Alors ça, c'est simplement pour Gara, c'est mon oncle. Ça s'écrit comment? J'écris O-N-G-L-E. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça désigne quoi, ce mot que tu as écrit? Je ne sais pas. Les autres. Mais c'est pas rigolo, parce que c'est un mot très simple, ça. Moi, je suis pas très bon à l'école, j'aime pas trop ça. Bon, on peut rien y faire, hein. L'école, c'est l'école. L'école avant le foot, ça passera tout le temps, je vous assure. Mais quand on est bon à l'école et on est bon au foot, on peut réussir. Il faut être sérieux. Il faut écouter ce qu'on nous dit. Travailler. Essayer de comprendre quand on n'y arrive pas. Je vous assure. On fait un creux dans l'écorce et on recueille la résine. Et d'ailleurs, quand vous prenez une planche de pain, elle a certains endroits où elle est collante. Et c'est la résine. Ah, c'est ça. C'est même ce qui est madame, ça madame, j'ai cru, c'est moi. Non, moi, j'ai cru, c'était du miel. Même des fois, même c'est gluant. Le miel ne coule pas spontanément d'un arbre comme ça. C'est gluant aussi, c'est pas gluant des fois. Bon, alors, on a aussi un boulot. Mais ça, des boulots, je sais pas. Si, madame, la taverne, on n'est pas dans le coin. Libéré. C'est ouvert. Faites voir vos ballons. Ballon de plage. Ballon de plage. Ballon de plage. Oui, oui, c'est pour jouer sur la plage. Au Brésil, ça va. Pour faire un 4-4 dans le gymnase, ça va aussi. Et, premier point. Bastien a le même âge que ses petits camarades de promo. Mais à l'entraînement, il a un petit détail en plus à gérer. 40 cm de moins. Et comme si cela ne suffisait pas, Bastien doit encore se battre avec les manches de son maillot trop grand. Écarte-toi ! Écarte-toi ! Dans cette tranche d'âge, les écarts de taille peuvent être énormes, et quelque part c'est déjà l'inégalité. Grâce à une radio du poignet gauche, les médecins sont en mesure d'évaluer la taille adulte des enfants. Pour cela, 13 ans reste l'âge le plus fiable. C'est gagné. Oh, c'est pas gagné, non. Hey. Être le plus petit de la promotion, ça m'embête pas. Parce que je sais que dans 3-4 ans, je vais grandir. Et après je vais être grand. Je serai 1m86. Et d'être petit, ça me désavantage sur le jeu de tête, sur le physique, sur des trucs comme ça. Si je pousse ce ballon-là et que j'ai le corps en opposition, là, tu vas pouvoir... Mais tu ne pourras pas me prendre. D'accord? Mais donc, il faut avoir le corps en opposition. Là, je vais te prendre le ballon. Si tu l'as ici, là tu protèges. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si, qu'est-ce que je vais faire? Hop! Penalty. Allez, jouer. Oui, allez. Écarte-toi, Jean-Pierre. Écarte-toi, Jean-Pierre. Là, là. Écarte-toi. Là. Là, t'en as poussé, tiré. Allez, Armel, j'ai gagné. Voilà. Stop. Eh, si tu avais été là, tu marquais. Eh oui, bah oui, c'est bien, mais moi, j'ai pas les manches comme ça. Eh, quand on a les manches comme ça, on attend la fin. Pour aller prendre la douche chaude. Non seulement M. Dussault ne laisse rien passer à l'entraînement, mais une fois par trimestre, il vérifie également les résultats scolaires de ses petits protégés. Cette tâche, il met un point d'honneur à l'accomplir. Il en va de la réputation de l'INF. Tous les pensionnaires dont les notes ne lui semblent pas satisfaisantes sont consignés d'office à l'étude, et ce, jusqu'à ce qu'amélioration s'en suive. Et le contrôle, il est où, le contrôle?
Il est chez moi, je l'ai mis dans une chemise. C'est bien, ah bah, ouais, c'est bien. C'est un 13, on dirait un 19. Ouais. T'es pas là, je crois, c'est un 13. Je suis en dirait un 19. Un 13. Oublie du TP, histoire géo, pourquoi? J'oublie aussi. Eh oui. Si tu oublies tous tes bouquins, tu viens faire quoi, là? Tu vas à l'école, tu viens faire du football, là. Reste, ne va pas à l'école. Hein? Une fois, on oublie un cahier, mais deux fois de suite. Ça veut dire que pendant l'étude, tu es dans la chambre en train de travailler. Bah, à l'école, je suis moyen, mais j'ai envie de progresser pour rester à Clairefontaine. Parce que l'école, si on est viré à l'INF, eh ben, il faut avoir des bonnes études plus tard, parce que ça peut nous aider pour avoir un travail. Sinon, à l'école, ça va. Sauf des fois, il y a des bagarres et tout. C'est pas bien. T'as pas une note de maths? Hein? Ah, et t'as pas écrit en maths? Ah si, j'ai eu 9. Combien? 9. 9 sur 10? 9 sur 9. Et t'as bien entendu ce que ça concernait, hein, quand tu étais dans la chambre. Pas pour écouter de la musique. Est-ce que je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Non, c'est un délai. Oui. Tout le monde qui a signé déjà. Hein? Oui. Merci beaucoup. Viens, je te jure demain, tu marques. Là, bien placé. On va obtenir un autographe, mon frère. Moi c'est pas pour l'autographe, sérieusement, pour lui serrer la main. Je compte ce qu'ils ont fait. Je serre juste la main, ça suffit. J'ai froid. Si jamais j'avance, tu vois. Tu vas pas me faire. Attends, non, reste là, ouais, il va venir le chercher, on l'appelle, il va nous serrer la main. Il a peur. Reste là. On n'a pas de chance, les gars. Même pas un petit bonjour, rien. T'as les gens comme ça. T'inquiète pas, Lilian. Alors que nous, dès qu'on passe, on voit quelqu'un, on est obligé de dire bonjour, et si on ne dit pas, on est mal poli. C'est de la place. S'il vous plaît. Monsieur Candela, s'il vous plaît. Tu dis juste une signature, vas-y. Il arrive. En plus, elle est là-bas, on aurait dû rentrer. Ah, faut pas être le dernier, Lilian. Quoi, monsieur? Allez, on rentre au bercail. Il a fait un crabouillage. Il est en train de continuer. Après Zidane, il m'a vu que j'avais rien. Après Zidane, il m'a fait tiens, vas-y, tiens. Ouais, parce qu'il m'a donné ça. Après, il est resté comme ça. Après, moi, je suis resté comme ça, j'avais les nerfs. Après, il m'a fait vas-y, tiens. Gandidane. J'ai dit Gandidane. Moi, j'ai Barthez, j'ai Deschamps. Toi, tu m'as dit, je préfère avoir l'équipe de France en prime que... Moi aussi, je préfère les imprimes. Eh, comment on l'a conseillé? On a couru ici, là, comme ça. Les gars, courez, c'est l'île naturelle, aller faire une signature. Non, ils n'ont pas le droit. Vas-y, viens. Mets-moi.
Attends, 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 va l'avoir, attends. Donne, 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 donne. Si mère, Habib, non, mais tire bien. L'important, c'est que tu tires. Allez, aidez-le, aidez-le. Parce que là, je l'ai attrapé froid, ça fait une demi-heure que je suis dehors. Allez, vite, hop, 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 on enchaîne. Merci, monsieur. Mais aide-le. Tire. Allez. Après, aidez pour moi, ça. C'est dans mon sens. Merci beaucoup. C'est fini. Ok, tiens, les gars. Allez, je te fais pas les gars, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de les donner. Ah ouais. Bon, tiens. Les gars, je suis désespéré. Moi aussi, j'ai envie de vomir, je sais pas, j'ai envie de faire un truc. Atem, donne-moi ton danette. Si, merde. T'as vu intérêt de me le donner. Attends, laisse-moi finir. Tu connais Jean Galfion? Il habite à côté de chez moi, sans mentir. Halloween, c'est Halloween que j'ai découvert. Un copain m'a dit... Après, je dis non, je savais pas. Tu sais, quand j'ai fait Halloween, il paraît que tu vas chez lui, sa femme me donne plein de bonbons. Jean Galfion, c'est le gars, là. Et tout. Ouais, quand il fait, quand il fait 6 mètres. Sur la perche. Ouais. C'est lui qui nique les danettes. C'est ça qui m'a fait penser. Hein. Danette. C'est lui qui tire. C'est pour ça que j'ai dit ça. Il est comme ça. Ouais. Non, moi, de chez moi, je suis derrière lui. Lui, il part pas les essais. De chez moi, je prends c'est pas vrai. Elle est pas là, là, c'est vrai. Zidane. Je vais vous montrer. C'est précieux, ça lâche. Mais laisse-moi regarder. Pourquoi c'est pas marqué du tout? Je sais pas moi, c'est bizarre. Attends, je vais les cacher là. Tu veux voir? Tu veux que je te les prête? Vas-y. Mais déjà je vais les cacher. Comme ça, personne va les toucher. Là, elle a deux paires. Ouais, mais... Moi, c'est Zizou qui me les a passés, mec. Sœur, elle a deux, c'est... Oui. C'est Adidas. Ouais, moi, je vais bien mettre ça. Ah bah non, t'as plein de sucettes. Non mais t'inquiète, mais hé, ça, toutes ces choses-là, c'est précieux ça. T'inquiète, hein. Allô? Ouais. Maman, ça va? Soyez, mais j'ai eu les codes d'Italie, là, je les ai cachés dans le coffre. Hein. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, bien sûr. Comme ça, y a rien, comme ça, je vais les bien mettre à la maison, là. Mais oui. Tu veux les laisser chez toi? Bah salut maman. Salut. Quand on n'a rien à faire, on n'a plus de devoirs, on n'a plus rien. Alors là, on chante comme ça. Je dis pas qu'on rappe parce que rapper c'est les grands chanteurs qui rappent. Nous on est des amateurs, c'est juste pour passer le temps. C'est parti pour Evry. Parti pour 9-1. Ici c'est l'INF, même si on n'est pas BZF, tu veux suivre les pas d'Anelka, même de Sarah. Mais attention, faut pas te prendre la tête garçon. Si tu taffes pas mec, c'est l'expulsion. À l'école, tu peux même pas bien taffer à cause des mecs qui nous font chier. Ces mecs viennent des ESA et se prennent pour des blédards ou même pour des lascars. Je suis sûr que dans leur tchéka, y'a des papes sur 500 hectares. Eux taffent pour des dollars, moi je rappe pour des dinars. Ouais, hein. Je suis arrivé ici, inattendu, aperçu par quelques gars comme moi ont cru que des perquises dans mon poulailler. Je parle pour gars de ma cité. City au tribunal n'ont pas été félicités, assiégés par le grand siège. Le jure, je lève la main droite comme les droites qu'on prend dans les rues étroites de mots. Le 7-7 a de gros problèmes pour tous les gars qui portent mon emblème. Y'a pas de thème, que tu sois ici ou ailleurs, la galère te suivra comme à l'heure. J'suis pas leurré, quartier ouest, gars, viens te blinder, ok, hein. J'suis pas leurré, quartier ouest, viens te blinder. Je traverse la rue dans une grande vie de folie. Soit tu sors avec du cochi ou avec un petit colis. Les crapules sont rois, elles se t'en déménagent pour être le boss du commissaire. Faut savoir compter jusqu'à 3. Attention à toi, car si tu veux aller loin, Rebeu Renoir, il faut savoir jouer putain, car la drogue est un jeu dangereux. Car si tu es amoureux de cette façon, je te fais mes adieux. Amoureux, oui, amoureux du shit shit ou
accro du crack crack pour le shit et le crack de croque. Stop, va, stop, tu es déchiré, affamé, prête à crever pour de la bouffe qui t'étouffe comme une touffe. La caïra de Ripa, je suis peut-être passé par là. Moi et mes cops, on en a marre de tous ces blabla. Quand je chante le rap, je parle surtout de ma cité à Ivry et de la drogue et de Clairefontaine. Parce que je sais pas, je pense que c'est les choses principales. Et je pense qu'il n'y a que ça dans la vie en fait. Il y a la vie, celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, qui va dans les mauvaises choses. C'est ça qu'il faut parler dans les rôles. Ces gars veulent des coups de pied au cul. Ils ne sont pas nets, ils veulent qu'on les respecte. Allez les jeunes, on y va là. Et là, il balance, c'est interdit dans les chambres. Bon, il est où le ballon là? Allez, bonne soirée. Allez, on y va, on se dépêche. Bonjour, bonjour à toi. J'ai emmené un petit poster pour Adem. Ça va, petit guerrier? Voilà, je signe Auxerre. Bon, j'ai eu du mal à réfléchir, mais bon. Ils m'ont convaincu, donc j'ai signé. Si vous êtes libre, si Monsieur Dussault est... vous donne l'autorisation, et on vous invite pour Saint-Étienne-Marseille, d'accord? Vous faites ce que vous voulez de vos enfants. Moi, je ne vous donne simplement qu'un conseil. Laissez vos enfants respirer pendant les vacances. Les clubs reviendront à la charge. On espère que le moment venu, tu nous rejoindras. Je sais que tu as le choix maintenant. Ça me paraît mettre vos enfants dans des situations difficiles. Tu la plies un peu mieux. Par contre, si tu commences comme ça, comment tu vas finir? Et si je veux, comme ça tu gardes tes petites affaires, tes petites clés. Bon, ton cartable. Ça va, Nicole? Bon, tu peux partir, hein. Pendant que les pensionnaires rentrent dans leur famille, les Bleus investissent Clairefontaine pour préparer le match France-Islande. Ce soir, la famille d'Athem rencontre Patrick Vieira. Vrai qu'ils ont bien l'intention de devenir des idoles. En attendant, ils ont déjà fait la connaissance de Monsieur Dussault, l'incontournable gardien du temple, dribblé sur des terrains lisses comme des billards, et même touché des Bleus, des vrais, en chair et en os. Vers les Bleus, chaque gosse rêve de ballon rond et d'être ballon d'or. Parmi les forts, aux talents hors normes, amoureux de sport, chaque jour ils cherchent la performance comme leur dernière chance pour que leur talent perce en France. Et les centres de formation bercent l'enfance de ces jeunes battants dans des entraînements hyper intenses. Et nul ne perd son temps quand c'est fait avec passion, avec patience. Et si tu craques, tu perds ta chance, tu perds ta science du football, mec. Pense à l'équipe avant de foutre le sbeul, tu seras peut-être trop d'ici peu ou successeur Zidane si t'es pas trop dissipé. Quand même les prodiges payent leur manque de concentration. Et Clairefontaine n'est pas un parc d'attractions. C'est pour toi que tu joues, mais c'est les tiens que tu représentes. C'est les tiens que tu représentes. Je fais le tour de... Vous ne partez pas, je fais le tour des chambres. Et tant qu'elles ne sont pas rangées, vous restez là. Bonsoir. Ce jour-là, il n'y avait presque pas de soleil. Pourtant, en découvrant leur chambre à l'INF Clairefontaine, ils ont tous été éblouis. À 13 ans, sélectionnés parmi 600 candidats, ils viennent d'intégrer le plus prestigieux sport-études du football français. Pour les meilleurs d'entre eux, la formation va durer 3 ans. On dit d'eux qu'ils sont la crème des crèmes, la relève du ballon rond hexagonal. Et c'est vrai. Tu les as vus, Jean?
Hein? Les quoi? Les chambres. Non, je ne l'ai pas vu, tu vas me montrer là. Comment ils sont bien? Pas, je ne l'ai pas vu. Ils sont trop bien. C'est vendredi soir. Comme chaque veille de week-end, les parents viennent chercher leurs enfants pour les ramener à la maison. Après une longue semaine de séparation, les mamans retrouvent enfin leurs chers petits et découvrent les installations luxueuses de l'internat. C'est bien, ouais. Oh là là, c'est chouette. Elle peut aller plus. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, bah, tu peux ranger un peu la couverture, là, regarde. Et puis ce lit, là, il n'est pas très, très...